Quelques heures plus tard, j'arrivais en Irlande, l'île d'Émeraude. À Dublin, j'avais eu la chance de trouver un bus qui allait vers le minuscule village de Lochmarne. Sur la route, le chauffeur m'avait indiqué qu'il n'y avait qu'un bus par jour. Bien le bonjour. Quoi? Comment tu t'appelles, petit? Pourquoi vous m'appelez petit? Qui êtes-vous en plus? Rosso est mon nom. Et le crime, c'est mon rayon. Un détective? Disons seulement que je traque la vérité. Cool comme Kojak! Bon, assez rigolé. Ton nom? Liam McGear. Pourquoi tu rôdes autour du bar, McGear? Je me suis fait la malle à cause de mon père. Tu as fait quelque chose d'illégal? J'ai rien fait, chef. Tu peux me le dire, petit. C'est à cause de ton père? C'est un bravo, monsieur. Le moindre penny, il le transforme en bière. Et il y a ma pauvre mère qui est au lit en train de mourir à petit feu. Pour lui acheter des médicaments, j'ai coupé du bois chez le père Mahoney jusqu'à me faire saigner les mains. Ce vieux Gripsou m'a arnaqué aussi, mais j'ai ramené l'argent chez moi. Regarde, mum, je fais. Regarde ce que ton fils a gagné à la sueur de son front. Et voilà que mon père arrive et rafle tout. Je vais à Dublin me bourrer la tronche, il fait. Surveille la maison jusqu'à ce que je revienne. C'est pour ça que je me suis tiré. Quelque chose dans son air narquois me disait qu'il avait un peu modifié la réalité. À côté de lui, Rémi sans famille était l'enfant le plus heureux du monde. Tu as déjà vu quelqu'un porter ça? Bien sûr, Rudolph le renne au nez rouge. C'est un nez de clown. J'ai failli être assassiné par le type qui le portait. Il faudrait le faire analyser, mister. Vous pourriez identifier le tueur avec un échantillon de sa morve. Je ne crois pas. Tu as déjà vu cet homme? Quelle tête de pervers! Non, jamais vu. Regarde ça, McGear. C'est une pièce d'identité, et alors? Tu as déjà entendu parler de Thomas Merlin ou de la Gruber Electronics Corporation? Non. Cet outil sert à quoi, selon toi? À soulever les grilles du caniveau. Mais c'est ça, comment le sais-tu? C'est le directeur de l'école qui me l'a dit. Il m'a annoncé, tu finiras la tête dans le four ou les pieds dans le caniveau. C'est vrai? Tu reconnais cette boîte d'allumettes, McGear? Non, monsieur, je ne l'ai jamais vue. Passe-moi ta main. Vous êtes malade? Allez, je vais juste te montrer un truc. Pas question, je fais pas ces trucs, moi. Le père Mahoney m'a dit que j'irais en enfer si je le faisais. Je veux juste te serrer la main. Bon, d'accord. Je t'ai eu. C'est marrant, hein? J'ai rien senti. Ce mouchoir te fait penser à quoi? À rien. Tu connais un certain Pigram? Vous pouvez me le décrire, comme dans Columbo? C'est un archéologue anglais. Je le connais si c'est de lui que vous voulez parler. Tu peux me dire où je peux trouver Pigram? Je ne peux pas parce qu'il n'est pas là. Si je le vois, je lui demanderai. Sais-tu ce que faisait Pigram au château? Il cherchait un trésor, de l'or et des squelettes, comme à la télé. Tu sais quelque chose sur les fouilles de Pigram? Il ne voulait pas que je m'en approche. J'ai proposé de l'aider, mais il m'a envoyé paître. Comme s'il m'intéressait, son vieux trou puant. Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles? Pigram est venu avec des étudiants et d'autres miteux de l'université. Il devait penser que personne à Lochmarne ne saurait quoi chercher. Le seul type du coin qui a bossé pour lui, c'est Sean Fitzgerald. À quoi ressemble Fitzgerald? Une grosse tête, des grandes oreilles et des binocles. Des quoi? Vous savez, des lunettes. Il est myope comme une taupe. Que peux-tu me dire sur le château, McGear? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, est-ce que je peux y entrer? Non, c'est fermé. Quelqu'un y habite? Non. À part... Des quoi? Non, rien. Il y a quelque chose sur ce château dont tu ne veux pas me parler? Non. Qu'est-ce que tu me caches? Il y a quelque chose dont tu as peur? J'ai peur. Ok, c'est ta dernière chance pour me parler du château.
Ah ouais? Et si je dis rien? Je te ramène à l'école. Oh. Il y a un fantôme. On l'appelle le fantôme de Lochmarne. Tu as vu un homme habillé en clown? Ici, à Lochmarne, ils s'habillent tous comme des clowns. L'homme que je cherche est un dangereux maniaque. Bon sang, juste comme dans le film que j'ai vu. C'est un clown qui veut la peau d'un gosse qui l'a vu tuer quelqu'un. Il veut prévenir le shérif, mais personne ne veut le croire. Et après, quand il est dans son bain, le clown le découpe avec une tronçonneuse. Quelle horreur! Et c'était autorisé aux enfants de ton âge? Mais de qui vous parlez? J'ai 25 ans? Tu veux rire? Je suis sûr que tu n'as pas plus de 14 ans. Mais pas du tout! J'ai 25 ans! J'ai une voiture, une femme et 3 gosses. 10 gosses même, si on compte ceux de ma femme. Tu veux dire que tu crois aux fantômes? Mister, je l'ai vu de mes propres yeux. Mardi soir, je suis allé voir ce qui se passait avec toutes ces fouilles. J'arrive en haut du mur et j'entends ce bruit horrible. Quel genre de bruit? Une espèce de renflement, de grognement horrible, comme le port de O'Brien, mais en pire. Ça venait de l'intérieur du château. Tu as découvert d'où venait ce bruit? Sûrement pas. Je suis resté là sur mon mur, comme Humpty Dumpty. La lune était jaune et graisseuse comme une vieille assiette sale. Le parc était plein d'ombres bizarres qui auraient pu cacher n'importe quoi. Je voulais rentrer chez moi, mais mes jambes refusaient de bouger. Tu as pu voir le fantôme? Ah oui, et il était horrible. Je me suis posé comme un sac et j'ai vu la lune disparaître. Alors, il est sorti de l'obscurité, dans des fripes toutes grises, voûtées comme un vieillard. Et là, j'ai entendu un bruit d'eau, des crachotements et ce rire horrible dans le noir. J'ai eu si peur que je suis tombé de ce foutu mur. Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à ce que tu as vu au château. Mais il y en a une. Ce foutu château est hanté. À plus tard, petit. Ok, mister. Il n'écoutait pas. Hello, je m'appelle George Stobart. Content de faire votre connaissance. Je suis O'Brien. Je peux vous aider? Ce nez rouge vous fait penser à quelque chose? C'est un nez de clown, non? Je ne suis pas allé au cirque depuis mes 10 ans. O'Donnelly et moi, nous avions marché jusqu'à Baltimore, 15 miles pieds nus. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Cet outil vous dit quelque chose? Je dirais que c'est pour soulever les plaques d'égout. Comment le savez-vous? Je ne suis pas un ignare, Mr. Stobart. Que pensez-vous de cette boîte d'allumettes? Le motif évoque le Moyen-Orient. J'aimerais vous serrer la main, Monsieur O'Brien. Je ne préférerais pas. J'ai remarqué que vous avez un vibreur dans la main. Que pensez-vous de ce mouchoir? Je suppose que ce sont des traces de maquillage. Rien ne vous échappe, Monsieur O'Brien. Vous connaissez Sean Fitzgerald? Oui. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je veux lui parler des fouilles où il a travaillé. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a participé? C'est le gosse dehors qui me l'a dit. Je ne vois pas qui pourrait employer Fitzgerald comme archéologue. Il ne saurait même pas faire la différence entre un poteau télégraphique et son propre coude. Vous savez où je pourrais trouver Pegram? Vous arrivez un peu tard. Il est mort? Pas encore, mais il a quitté le village. C'est d'ailleurs une pierre dans le jardin de notre barman. Pourquoi l'hôtelier est-il si contrarié de la disparition de Pegram? Il a perdu un client. Voilà pourquoi. Pire, il n'a pas été payé pour ses services. Pauvre Michael, cette affaire le rend malade, c'est compréhensible. Vous pouvez me parler du propriétaire? Michael Leary? C'est un homme qui pense être raffiné. Mais sa définition du raffinement, c'est de mettre du papier journal dans les toilettes. Je n'ai jamais compris pourquoi il a fait ça. C'est bien trop sombre pour lire là-dedans. C'est vrai. Vous avez déjà passé la main sur les portes des toilettes? Les graffitis sont écrits en braille. Savez-vous où est parti Pegram? Non, désolé. Il a levé l'ancre quand il faisait nuit et a pris le large avant l'aube. Pourquoi a-t-il fait ça? Qui sait? La culpabilité, peut-être, ou une mission secrète.
En tout cas, il ne sera pas pleuré à Lockman. Maintenant que les choses se calment avec cette pierre précieuse, tout va redevenir normal. Que savez-vous de la pierre précieuse que Pigram a trouvée? C'est une pierre précieuse à laquelle il ne fallait pas toucher. Il faut être terriblement cupide pour désirer ce joyau. Pourquoi vous intéressez-vous à cette pierre? Vous n'êtes pas un reporter, au moins. Mais non. Dieu en soit loué. Que pouvez-vous me dire de plus sur le château, Monsieur O'Brien? C'est beau à voir, hein? Il remonte au 10e siècle, vous savez. La plupart des bâtiments qui restent ont été rajoutés bien plus tard. On peut visiter les ruines? Non, c'est bien trop dangereux. De toute façon, il n'y a plus rien à voir. Je crois que Pigram n'était pas d'accord avec vous. Vous savez, il en faut peu à ces fanatiques du passé. Donnez-leur un vieil os et ils sont aussi contents qu'un chiot. Est-ce que c'est Pigram qui a découvert le trépied au château? C'est lui, ou alors son frère jumeau. Vous ne saurez jamais ce qu'il a fait avec le trépied. Il l'a envoyé au musée à Paris. Je l'ai vu. Comment puis-je pénétrer dans le château? Ces murs ont été construits pour empêcher les gens d'entrer, Mr. Stobart. Mais je peux dire que si vous voulez entrer, vous trouverez un moyen. Bon bah, bonne journée. Hello, je m'appelle Stobart, George Stobart. Hello, mister. Que puis-je pour vous? Que pensez-vous de ce nez rouge? Vous êtes clown maintenant? Non, pas moi. Ah, et vous êtes drôle en plus. Tu as entendu ça, Michael? Mais je déteste les clowns. Ah, écoutez-moi ce gars-là. Je déteste les clowns, qu'il dit. Est-ce que ce n'est pas le type le plus drôle que tu aies jamais vu, Michael? Ce n'est pas un clown, Doyle. Il n'arrive même pas à être drôle. Merci. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Voilà un homme qui porte bien. C'est un acteur de cinéma, non? Ne vous y fiez pas. C'est le visage d'un tueur psychopathe. C'est pas vrai. Je me disais bien aussi qu'il avait un air qui me revenait pas. Est-ce que ce laissez-passer vous dit quelque chose? Eh bien, non. Que pensez-vous de cet objet? C'est pour ouvrir les bouches d'égout. Tout à fait, je l'ai trouvé à Paris. C'est pas vrai. Une clé française pour ouvrir les égouts, c'est fantastique. Vous reconnaissez cette boîte d'allumettes? Non. Puis-je vous serrer la main? Pas possible. Ah non? Pourquoi? Parce que je vais renverser ma bière si vous le faites. Est-ce que ce mouchoir vous dit quelque chose? Non, mais vous devriez montrer ça à ma grand-mère. Elle pourrait vous prédire l'avenir avec ça. Grâce à un mouchoir sale? Bien sûr. Certaines voyantes lisent dans du mort de café. Ma grand-mère, elle lit dans les mouchoirs. Vous connaissez le professeur Pigram? Si je le connais, si je connais ce beau vieux professeur. Non, pas du tout. Je veux dire que je connais son nom, mais je ne le connais pas. Savez-vous quelque chose sur les fouilles de Pigram? Seulement qu'il n'avait pas les bons outils pour faire ce boulot. Ce qu'il aurait dû prendre, c'est des pelles et un bulldozer. Pigram cherchait des vestiges historiques, pas du charbon. Non, c'est vrai. Mais pourquoi faire? C'est ça l'archéologie, Pat. Comprendre comment les gens vivaient en fonction de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Un jour, des archéologues fouilleront peut-être nos vestiges. Vous imaginez ça, Mr. O'Brien? Je me demande ce qu'ils trouveraient. Je peux vous dire que ça ne sera pas des pointes de flèches ou des vases. Plutôt des boîtes à hamburgers ou des capotes anglaises parfumées. C'est vrai que Pigram a trouvé une pierre précieuse? Quoi? C'est la première fois que j'entends ça. Mais d'où est-ce que tu débarques, Pat? De Lockman à Ballydun, tout le monde ne parle que de ce diamant. Mais on ne m'a rien dit, le vieux vénard. C'est pour ça qu'il a déguerpi. Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles? Moi, j'ai voulu participer, mais l'autre grand Manitou historique a dit que j'étais un continent. Quel culot! Je suis sûr que j'aurais creusé plus du tout que toute cette bande de fainéants réunis. Vous pouvez me parler du château sur la colline? Oh, je ne sais pas grand-chose. Il vaudrait mieux demander à Mr. O'Brien. Il est cuit à 16 heures. Vous êtes un de ces passionnés d'histoire, vous aussi? Exactement. Professeur Stobart de l'Université de Dyslexie à Los Angeles. Vous êtes archéologue? Et c'est avec nous que vous voulez parler du château? Excusez, Mr. O'Brien. C'est avec moi que ce gentleman parlait.
fou, quoi. Vous n'êtes pas parti avec les autres. Je ne savais même pas qu'ils étaient partis. Oh oui. Ils ont emballé leur pelle et leur pioche et hop, il n'y avait plus personne. Mince, j'ai manqué le meilleur moment. À bientôt, j'espère. Allô, vieille branche. Quoi? C'est un terrible rhume que vous avez là. J'avais à peine prononcé ces mots que je le regrettais. Est-ce qu'il existe des rhumes qui ne sont pas terribles? J'ai interrogé le père Mahoney là-dessus. Je lui ai fait... Père, pourquoi devons-nous renifler toute notre vie? Qu'a-t-il répondu? Il a dit que c'est ce que je méritais pour être dehors toute la nuit comme un pêcheur. Quel pharisien! En plus, ce n'est pas un rhume classique, c'est un rhume des foins. Une pollinose? Merci. Vous n'êtes pas policier, au moins. Pardon? Non, je le saurais. Ce nez rouge signifie quoi pour vous? Vous ramassez des objets pour une vente de charité? Mais non, je veux savoir si vous avez vu quelqu'un avec un nez comme ça. Non. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? C'est censé être vous. Non, je n'ai pas de cicatrices et je ne suis pas originaire du Moyen-Orient. Je ne peux rien voir sans mes lunettes. Regardez ce laissez-passer. Regardez quoi? Ah oui, la photo en plastique. Ça ne vous dit rien, n'est-ce pas? Non. À quoi sert cet objet? À rien. À quoi vous fait penser cette boîte d'allumettes? À rien! Arrêtez de m'embêter et déguerpissez! Et vous voulez me serrer la... Non, finalement, laissez tomber. Un mouchoir de ce genre pourrait vous rendre au service. Je n'en utilise jamais. Ces trucs, c'est pas hygiénique. Je cherche Sean Fitzgerald. Vous l'avez vu? Jamais entendu parler. Vous n'êtes pas d'ici? Ça ne vous regarde pas. Je ne vous ai pas demandé d'où vous étiez, hein? Je viens de Californie. Oh, c'est votre problème. Vous connaissez Pegram, l'archéologue? C'est le type famélique qui fouillait le château, c'est ça? Non, je ne le connais pas. Vous ne saviez pas que Pegram effectuait des fouilles archéologiques? Oh, je ne fous pas mon nez dans les affaires des autres. Ils ne m'intéressent pas. Vous savez où je pourrais trouver Pegram? Je vous l'ai dit. Je ne connais pas ce type. Vous pouvez me dire comment entrer dans le château? Inutile d'y penser, mon gars. Le château de Lockman est hanté. C'est ce que le gosse dehors m'a dit, mais je ne le crois pas. Alors vous êtes stupide. Vous avez déjà vu le fantôme? Yes, de mes propres yeux. Vous pouvez me décrire le fantôme? Il était horrible. Un monstre chétif et rabougris à long bec, des ailes immenses. Vous êtes sûr de ne pas confondre avec un animal sauvage? Un lapin ou une moufette? Une moufette? À Lockman, ça me ferait mal. Non, c'était un fantôme, j'en suis sûr. Je crois que je sais ce que vous avez vu sur le mur du château. Mais je sais ce que je l'ai vu. Je ne crois pas, c'était le gosse, Maguire. Quoi? Il était perché sur le mur mardi dernier. Et il a pensé que vous étiez le fantôme de Lockman. Oh! Les fantômes ne me gênent pas, je veux quand même voir le château. Impossible, c'est fermé au public. Personne ne pourra m'en empêcher. Peut-être. Personne d'humain, en tout cas. Je peux vous payer une bière? C'est très aimable, mais je ne bois pas ce que vend Leary. Ah bon, pourquoi? J'ai vu les ravages que ça provoque. À plus tard. Monsieur Fitzgerald? Quoi? Il faut que je vous parle, c'est urgent.
Qu'est-ce qui se passe? Ce nez rouge vous fait penser à quoi? À du sang. Et pourquoi? Je saignais beaucoup du nez quand j'étais gosse. À chaque fois qu'il y avait une bagarre à l'école, j'avais toujours le nez en sang. Ce n'était pas grave, mais je ne faisais même pas partie de la bagarre. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne le connais pas, c'est certain. Regardez bien, il a une cicatrice au visage. Non, du moins je ne crois pas. Regardez cette carte. Et elle est à vous? Pas exactement. Vous connaissez ce nom? Thomas Merlin. Non, je ne connais pas. Vous voyez une utilité à cet objet? C'est pour les chevaux? Faux, c'est pour soulever des plaques d'égout. Ah, oh, vraiment? Oh, on en apprend tous les jours. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Non. Serrez-moi la main. Vous préparez un sale coup, hein? Zut, vous avez vu juste. Ça ne marche avec personne. Ce mouchoir vous fait penser à quoi? À rien. Je peux vous offrir un autre verre? Oh non, merci. Je ne devrais pas boire du tout. Je dois suivre un traitement contre le stress. Si je bois plus d'une bière, je vais m'évanouir. Vous connaissez le professeur Pigram? C'est l'archéologue, c'est ça? Tout à fait. Où est-ce que je peux trouver Pigram? Il paraît qu'il est à la pêche. Je ne sais pas où. Que pouvez-vous me dire sur le château? Il n'y a rien là-bas, c'est juste une ruine. Il date de quand? Aucune idée. Vous avez déjà exploré le château? J'ai joué quand j'étais gosse. Mais un jour, un gosse de la bande est tombé du mur et il est mort. Alors on n'y est plus retourné. Vous n'y êtes pas allé dernièrement? Non. Vous avez travaillé sur les fouilles de Pigram? Oh, qu'est-ce qui vous fait croire ça? C'est McGear qui me l'a dit. Vous n'allez pas croire ce maudit hooligan quand même? Et pourquoi pas? Le commissariat en aurait de belles à vous raconter sur lui. Vous avez... Oui, une vague rumeur. Mais il ne faut pas croire tout ce que les gens disent. À plus tard. Salut, McGear. Quoi? J'ai lu dans les journaux que Pigram avait trouvé un joyau légendaire. C'est exact. On ne parle que de ça à Lochmarne depuis une semaine. Et tu l'as vu, cette pierre précieuse? Ça, non. Je pense que Pigram s'est tiré avec. Si j'étais lui, j'irais à Amsterdam, je la couperais en morceaux et je la revendrais. Il vivrait comme Riley au lieu de creuser des trous. Tu es sûr que Fitzgerald a travaillé dans les fouilles? Certain. Est-ce que j'ai l'air d'un menteur? Il m'a dit le contraire. Et ils étaient ensemble pas plus tard qu'hier soir. Pourquoi n'as-tu rien dit? Que faisait-il? Pigram a donné une boîte à Fitzy. Il n'avait pas l'air trop content. J'en étais sûr. Mais comment faire pour le convaincre de me la donner? Cassez-lui les doigts. Je ne peux pas faire ça. Moi, je peux. Merci de ton aide, petit, mais je vais essayer une tactique plus subtile. Lui arracher les ongles. Tu sais où je pourrais trouver Fitzgerald? Il est à l'intérieur, mais il n'y a rien à tirer de lui. Pourquoi? Il a trop bu? On dirait un lapin. Il est terrorisé. Tu parles. Il a même peur de son ombre. De quoi Fitzgerald a-t-il peur? De tout et de tout le monde. Alors, ça devrait être facile de le faire parler. Il est bavard, mais il ne faut pas lui faire peur. Il faut y aller mollo. Soyez cool avec lui. À plus tard, petit. Ok, mister. Salut. Bonjour, mister. Vous vous souvenez si vous avez vu Sean Fitzgerald sur le site? Voyons voir. Je crois que ma cervelle a besoin d'une révision. Je peux vous offrir quelque chose? Avec plaisir. Un verre pour mon ami, là. Il a réussi à vous extorquer un verre? Tu devrais avoir honte, Patrick. La même chose? Juste une pinte cette fois, Michael. Une pinte de brune. Chaud devant. Vous vous souvenez de Sean Fitzgerald maintenant? Je m'en souviens comme si c'était la semaine dernière. En fait, c'était la semaine dernière.
Fitzgerald était là-bas, c'est sûr, avec une bande d'étudiants. Il parlait avec le grand chef. À bientôt, j'espère. Hello. McGee affirme qu'il vous a vu travailler aux fouilles. En plus, il vous a vu discuter avec Pegram. Je savais que ça allait arriver. Je savais que je serais pris. Doyle m'a confirmé que vous avez participé aux fouilles. Il vous a vu là-bas, alors autant dire la vérité. C'est bien ma chance. J'attire les délinquants et les débiles. Je dois parler au professeur Pegram s'il est toujours vivant. Que voulez-vous dire? Il est en danger? Oui. Vous aussi, d'après ce que j'ai compris. Vous êtes un fonctionnaire de la Sécu? Non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je continue à toucher des allocations quand je travaillais pour Pegram. Ce n'est pas à moi de juger, Sean. C'est entre vous et votre conscience. Tout ce que je veux, c'est parler de la pierre à Pegram. Mais il n'est pas là. Je le sais, mais il vous a laissé un paquet, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Pegram a trouvé au château? Un passage vers une chambre souterraine. Elle était remplie de terre, alors Pegram avait besoin de nous pour la vider. On a découvert une pièce dissimulée, une chapelle secrète. Est-ce que Pegram a trouvé le diamant dans la chapelle? Je ne sais pas. Il nous a tous fait partir et il n'a pas voulu dire pourquoi. Une demi-heure plus tard, il est ressorti blanc comme un linge. Il a arrêté les fouilles, il a fermé le château et il nous a virés pour de bon. Apparemment, Pegram n'avait pas seulement découvert la pierre précieuse. Bon, alors où est parti Pegram? Je ne sais pas, je le jure. Il est venu chez moi tôt ce matin, il a dit qu'il partait. Il m'a dit de donner ce paquet à un type nommé Marquet. Montrez-moi ce qu'il y a dans le paquet, Sean. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? J'ai juré au professeur. Vous aviez moins de scrupules avec les allocations de la Sécu. Allez, il n'y a pas de mal à jeter un petit coup d'œil dans le paquet de Pegram. Je n'oserais pas. Vous ne connaissez pas ces gens. Je ne peux pas. Fitzgerald, je vous demande pour la dernière fois de me montrer ce paquet. J'ai été calme jusqu'à présent, mais maintenant ça va saigner. Mais il va m'écorcher vif. Qui ça? Le type de Paris, Jacques Marquet. Pegram m'a dit que si je remettais le paquet sans l'avoir ouvert, tout serait terminé. Mais que si j'essayais de doubler Marquet, il me tuerait. Marquet, j'en fais mon affaire. Donnez-moi le paquet. Non. Pourquoi je vous ferai confiance? Je ne sais plus à qui faire confiance. J'aurais préféré ne jamais avoir entendu parler de ce joyau. Je viens de voir une grosse... Fous-moi le camp, McGear. Reviens quand tu auras l'âge. Qu'est-ce qu'il a crié, le petit? Une grosse voiture de sport rouge. Sean Fitzgerald a été écrasé. Sors. Quel sale petit piailleur. Tu devrais peut-être lui donner du cognac pour le requinquer. Ah oui? Et qui c'est qui va le payer? Pas moi. Moi non plus. C'était vrai ce que je vous disais sur Fitzy, mister. Allons, du calme. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là, bien peinard, quand j'ai vu cette voiture de sport rouge grimper la colline. Voilà autre chose, je me dis. Faut que je vois ça de plus près. Et voilà que Fitzy sort du pub comme une fusée qui manque de me renverser. En tout cas, il est là sur la route et paf, la voiture lui passe dessus. Le vieux Fitzy a rien vu venir. Comme une crêpe, il a fait. Il est parti en l'air, puis il est redescendu. Pour moi, son compte était bon. Et après, voilà que le conducteur sort de la voiture. J'en venais pas, dites donc.
Il était habillé comme un fichu farfadet. Est-ce que le farfadet avait une cicatrice sur la joue? Je ne pouvais pas voir. Il avait un masque débile. Vous êtes un agent secret? Désolé de te décevoir, petit, mais non. Fitzgerald a laissé tomber quelque chose quand il a été renversé? J'ai rien vu. C'est arrivé tellement vite. À plus tard, petit. Ok, mister. Salut. Vous parlez en quelle langue? Celle des débiles. Puisque je vous réponds, vous êtes du genre à penser que tous les agriculteurs sont illettrés et analphabètes, c'est ça? Je lui lançais le regard que j'avais perfectionné à 12 ans pour devenir le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Ça marchait à tous les coups. Vous essayez de m'hypnotiser ou bien vous êtes atteint de constipation chronique? J'aurais peut-être dû m'exercer plus souvent. Ce faune vous fait penser à quoi? Vous travaillez dans un cirque? Non, mais je l'ai eu d'une personne qui aimerait le faire croire. Oh, vraiment? Et pourquoi a-t-elle fait ça? C'est un tueur en série. Je pense qu'il joue un rôle dans la disparition de Pigram. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, mais je ne lui ferai pas confiance. Ses yeux sont trop rapprochés. Ce n'est pas un ami à vous, au moins. Ce n'est pas un ami à vous, au moins. Oh non, loin de là. Je crois plutôt que ce visage est celui d'un meurtrier. Je le savais. Des yeux de cochon. Faut pas leur faire confiance. Vous reconnaissez le nom sur cette carte? Je ne peux pas lire, c'est trop petit. Il y a écrit Thomas Merlin, Gruber Electronics. C'est votre nom? Tommy Merlin? Non, mais quel nom d'acteur. Mon numéro de prestidigitateur au lycée aurait eu besoin d'un nom aussi mystérieux et élégant. Pendant quelques secondes, j'étais sous les spots submergés par les applaudissements. Tommy Merlin, l'hypnotiseur. Vous allez bien? Mais oui, je viens juste de me souvenir d'un truc. Vous savez à quoi sert cet outil? What did you? C'est pour les moutons? Non, c'est pour soulever les plaques d'égout. Sans rire! Comment? Vous rentrez l'extrémité dans la plaque? Ça glisserait. L'angle n'est pas le bon, ça ne marchera jamais. Mais si, ça marche. À Paris. Que pensez-vous de cette boîte d'allumettes? Elle a l'air normale. Vous voulez me serrer la main? Pourquoi ces trucs en forme ne me plaisent guère? Que pensez-vous de ce mouchoir? Quelle vision d'horreur! Oh, ce n'est que du maquillage. Je suppose que ça le rend moins sale. Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'on se plaindra de l'état de ma serviette de table. Vous avez vu le professeur Pigram? Non, il a fait ses bagages et il est parti. Vous ne sauriez pas où? Il est retourné en Angleterre, sans doute. Vous pensez que la disparition de Pigram est liée à la malédiction? Il faut être lucide. Il déterre les pierres précieuses et paf, il disparaît. Pas besoin d'un diplôme maths pour comprendre cette énigme. Inutile d'être un génial Pythagore avec un ordinateur. Je suppose que non. Pigram s'est tiré avec le diamant. Que pouvez-vous me dire sur le château? Pas grand-chose. C'est triste à dire, mais son histoire est un peu oubliée. Oh, si ces pierres pouvaient parler, elles en auraient des choses à dire. Des histoires qui vous glaceraient le sang. Vous savez, on dit que ce château a plus de 600 ans. Qui a construit le château? Felon le Fou, le premier seigneur de Lochmorne. Enfin, seigneur, c'était plutôt le chef du village. Il a construit sa forteresse sur les vestiges de la commanderie des Templiers. Où était la commanderie des Templiers? Là, sur la colline du Temple. Felon a construit par-dessus les anciens murs. On dit que sous ces murs, il y a une chapelle. Pigram a peut-être trouvé la chapelle? Je ne sais pas. Ses employés ont juré de ne rien dire. Ça vous dérange si je grimpe sur vos bottes de foin pour accéder au château? Quoi? Vous allez vous briser votre coude abruti! Vous croyez que je vais rester là, vous regarder, vous fendre le crâne? Je vous promets d'être prudent et de ne pas vous faire un procès. Vous n'en aurez pas l'occasion, pas tant que je serai ici. Intéressant, le livre? Un livre?
C'est un passeport vers un monde de rêve et de plaisir. Ah oui, c'est quoi? Créez vos rayonnages. L'édition pour débutants 1978. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si fascinant dans le bricolage? C'est un délice incomparable. L'arôme automnal du bois patiné, la mélodie enivrante du robot. Ce n'est pas un hasard si notre Seigneur est venu sur terre comme fils de charpentier. Je suis sûr qu'il faisait des miracles avec une chignole et une planche de cèdre. Sans vouloir vous contredire, je crois que l'image de la famille du Christ relève un peu de la mythologie. C'est possible, mais je suis sûr qu'ils étaient charpentiers. Vous n'avez pas lu le livre? Non, mais j'ai vu la plus grande histoire jamais contée et je ne me souviens pas que Jésus faisait des étagères. Vous n'auriez pas vu une voiture de sport rouge dévaler la route? J'ai aperçu un objet rouge sur la colline et j'ai entendu quelque chose. Un bruit terrible même. Une voiture de sport, vous dites? Une Ferrari, pour être précis. Une voiture de course? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Le pauvre gars avait dû se perdre. Le conducteur de la Ferrari a provoqué un accident. C'est vrai? Oui, il a renversé quelqu'un qui sortait du bar. Quel imbécile! Comment est-ce possible? Il allait trop vite. Tellement vite qu'il est passé sous la voiture? Je veux dire, la voiture allait trop vite. Mais l'autre idiot aurait dû l'entendre arriver! Peut-être que vous connaissez le gars qui a été renversé? Il s'appelait Sean Fitzgerald. Oui, je le connais bien. C'est mon neveu! L'idiot qui a entassé le foin n'importe comment! Il a été tué par la voiture? Ah non, il semble qu'il n'ait rien eu, mais on l'a kidnappé. Voilà deux nouvelles, Excellence! Vous n'allez pas rechercher votre neveu? Pourquoi donc? D'après ce que vous dites, il est trop tard. On pourrait au moins le signaler à la police. Vaut mieux pas. Et qu'est-ce que ça ferait? Il pourrait lancer des recherches. Ils n'ont qu'une bicycle comme moyen de transport. Dans un cas pareil, je miserais plutôt sur la Ferrari gagnante. Il faut que je vous dise dans quel pétrin Sean s'est mis. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Mais vous êtes son oncle, son sort ne vous intéresse pas? Si, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je m'en vais, il y aura bien débile pour grimper sur le tas de foin. C'est un vrai dilemme. Restez ici et gardez cette édification agricole potentiellement mortelle ou partir à la recherche de mon neveu prodige, celui qui est responsable pour tout ce souk. Ça mérite réflexion. Pourquoi? Ça ne pose pas de problème. Vous avez raison. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Nous allons démolir cet entassement. Inutile de démolir les bottes de foin pour partir à la recherche de Sean. Je vais rester ici et je préviendrai tous les gens assez stupides pour vouloir grimper. Génial! Je vais commencer mes recherches au bord. Je le regardais partir en direction de McDevitt's, puis je me concentrais sur cette terrible meule de foin. J'abaissai le bouton, mais il se cassa. Un excellent jour à vous. Je vous demande pardon. C'est comme ça que disent les Irlandais, non? Vous voulez quelque chose ou vous ne faites qu'étaler votre xénophobie? Ah, j'essayais d'être sociable. C'est une chambre que vous voulez? Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous avez une chambre libre. C'est possible. Si vous voulez attendre que son occupant quitte l'hôtel. Pas de problème. Et ce sera quand? Quand le croque-mort viendra le chercher. Sonnet de clown vous rappelle quelque chose? Ah, c'est encore le jour des nez rouges, hein? Non, ça fait partie du costume d'un clown. Mais je le sais, tonnerre de Dieu, vous me prenez pour qui? Et avant que vous me posiez la question, non, aucun clown n'est venu dans ce bar. Vous reconnaissez cet homme? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai un compte à régler. Je ne veux pas de problème dans ce bar, mister.
Si vous voulez de la castagne, adressez-vous au père Mahoney. Un ecclésiastique? Un prêtre? Oui. Et il prend le box aux jeunes du foyer. Selon lui, ça forme le caractère. Pas vrai, Pat? Est-ce qu'il ne t'a pas enseigné l'art de la boxe? Doyle? Excuse-moi, Michael. J'étais loin d'ici. Qu'est-ce que tu disais? Oh, laisse tomber. Vous reconnaissez le nom sur cette carte? Non, je devrais? Non, c'était idiot de demander. Ceci devrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? Ma clé pour visiter les égouts de Paris. Oh, vraiment? Vous avez vu le billard hier soir, Brian? Je n'ai pas la télévision, Michael. Je le sais bien. Et pourquoi, si je peux me permettre? Si Dieu avait voulu que nous regardions la télé, nous serions tous comme Doyle. Moi, ce que je vois, c'est que personne ne veut écouter mes aventures souterraines. Je préférerais encore boire ma propre bière. Vous connaissez cette boîte d'allumettes? Non, mister. Hé, hey, barman! Propriétaire, si ça ne vous dérange pas. Excusez-moi. Allez, serrez-moi la main. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous dissimulez encore? Mais rien. Allez, serrons-nous la main. C'est impossible, mister. Vous comprenez, les nouvelles mesures d'hygiène. Oh, zut! Ce mouchoir vous dit quelque chose? Mais c'est dégoûtant! Bah oui, je l'ai trouvé dans les égouts. Alors pourquoi vous me l'agitez sous le nez? Mais vous êtes pire que le vieux Ron! Enlevez-moi ça! Vous connaissez bien Fitzgerald? Je le connais assez pour ne jamais lui vendre plus de 2 pintes. Il est comme un gosse quand il a avalé quelques bières. Ça ne m'étonne pas, il suit un traitement pour ses nerfs. Ses nerfs n'ont rien à voir là-dedans. Il est cinglé, c'est tout. Vous connaissez un certain Pigram? Oui, bien sûr. Vous ne seriez pas un ami à lui, par hasard? Si, en quelque sorte. Alors allons-y le fric, mon gars. C'est 160 livres qu'il me doit. Mais ça regarde Pigram, pas moi. Oui, mais il s'est fait la malle. Il a foutu le camp. Je sais, c'est pour ça que je suis ici, je le cherche. Et qu'est-ce que je fais pour les sous qu'il me doit? Quand je l'aurai retrouvé, je lui en toucherai 2 mots. Pigram est resté ici? Ça, oui. 6 nuits, plus les petits déjeuners. Il n'a pas consommé de breakfast. Pas ce matin, en tout cas. Ou alors, il l'a pu avant d'aller se coucher. Mais qu'est-ce que tu marmonnes, Doyle? Le prof d'histoire, là, je l'ai vu ce matin à l'aube. Il a fallu que je me lève à 4 heures à cause de ma commère. Je ne savais pas que ta femme était malade, Pat. Elle ne l'est pas. Je disais donc que je suis sorti pour vider le pot de chambre. Et là, qui je vois? Pour l'amour du ciel, Doyle. Viens en fait. C'était le bonhomme historique, là, qui quittait le village. En bicycle. J'en étais sûr. Donnez-moi l'argent maintenant ou je vous fous dehors. Puis-je voir la chambre de Pigram? Elle est occupée par un des frères de la maison de redressement. Ils viennent chaque année se ressourcer ici. As-tu oublié de dire que c'est une source de bière, pas d'eau thermale? Je ne peux pas déranger un homme de Dieu. Et encore moins une armoire à glace de la maison de correction. Tu as raison, Mick. Ce type ferait passer Schwarzenegger pour une drag queen. Que pouvez-vous me dire au sujet du château? Ne changez pas de sujet. Vous allez me payer le loyer de Pigram, oui ou non? Pas question. Écoutez, je ne suis pas vraiment son ami, je ne l'ai même jamais rencontré. J'ai besoin de trouver Pigram de toute urgence. Je pense que sa vie est en danger. Pour sûr qu'elle l'est. Désolé de m'en mêler, mais je crois que le fiston n'a pas tort, Michael. Je suis désolé de vous avoir parlé comme ça, mister. Ce n'est pas grave, je comprends. Je crois. Que pouvez-vous me dire au sujet du château? Vous êtes la 2e personne à me demander ça aujourd'hui. Je ne sais rien sur ce château. C'est qu'une vieille ruine, de toute façon. Qui d'autre vous a interrogé sur le château? Il a dit qu'il était reporter. Il a posé plein de questions sur les nains. Moi, j'aurais pu lui raconter du bel sur les nains. Je suis sûr qu'il aurait payé pour connaître mes histoires de famille. De toute façon, je l'ai foutu dehors. Tu as bien fait, petit. C'est comme ça qu'il faut traiter les journalistes. Je vais essayer la bière, s'il vous plaît. Est-ce que c'est votre première pinte de véritable bière? Je pense. C'est quoi la véritable bière? De la bière brassée selon les méthodes classiques avec des ingrédients naturels.
Elle ne doit pas être mise sous pression ni au réfrigérateur. Et pour finir, elle doit avoir du corps et du caractère. En d'autres termes, elle est plate et tiède, avec des morceaux dedans, et il vous file une grande claque sous la caboche. Je suis désolé, mais la pompe semble cassée. Je peux vous la réparer. Je ne pense pas, c'est un travail pour un professionnel. Tant pis, au moins le lave-verre marche, lui. Ce n'est pas mon jour, on dirait. Eh bien, il se trouve que je suis électricien. Regardez ma carte. Ça alors, c'est fantastique! Cet établissement est totalement hanté par des fils électriques mal embouchés. Et vous apparaissez, un petit électricien, avec ce carton plastique pour le prouver. Je veux quand même vous voir à l'œuvre avant de vous confier ma pompe à bière. Commençons d'abord par le lave-vaisselle. Quand vous aurez terminé avec ça, vous pourrez jeter un coup d'œil à la pompe. Pendant que l'homme soulevait son coude pour boire, je m'emparais de la serviette. Rebonjour. Quoi? Qu'est-ce que vous fabriquez? Un collier, mon garçon! Ah, d'accord. En fil de fer? Ah, c'est ça! Un collier pour ma toute belle! Quand ma petite chérie le sentira autour de son cou gracile, elle sera à moi! Rien qu'à moi! Si j'étais une femme, je n'apprécierais pas trop un collier en fil de fer. Ce n'est pas pour une femme. Je m'intéresse à quelque chose d'un peu plus succulent que les femmes. De la chair tendre et douce comme celle d'une vierge. Des os souples et blancs comme ceux d'un bébé. Les lapines, mon ami. C'est ça qui me donne le chair de poule. Alors vous faites des pièges pour les lapins? Tout à fait! Ça vous pose un problème? Oui, et un gros. Ces trucs sont terriblement douloureux. Seulement si je coince mon doigt dedans. Je parlais des lapins, ils doivent souffrir atrocement. Tu parles! Vous avez vu Fitzgerald aux fouilles de Pegram? Je ne connais ni l'un ni l'autre. Vous n'êtes pas préoccupé par ce qui est arrivé à Fitzgerald? Non. À plus tard. Dès que le vieillard tourna la tête, j'attrapai le fil de fer. Je remplaçai le fusible par un fil électrique. Je savais que c'était risqué, mais j'étais trop désespéré pour me soucier des règles de sécurité de base. Excusez-moi, Monsieur Leary. J'ai réparé votre machine à laver les verres. Béni soit les saints, c'est merveilleux! Une pinte de bière pour cet homme, cadeau de la maison. Et maintenant, vous pourriez jeter un coup d'œil au système de pression? Je pense que oui, mais je ne vous garantis rien. Si vous n'arrivez pas à la réparer, il va y avoir une émeute. La pompe est dans la cave, c'est ça? C'est ça. Vous trouverez une torche quelque part en bas. No!
quel endroit stupide pour laisser une lampe, une cave sombre. Tout ce que je pouvais faire, c'était me déplacer à tâtons. Je poussai le levier. Un craquement s'était fait entendre, mais apparemment rien n'avait changé. Je soulevai la trappe et une insupportable odeur de bière éventée me sauta au visage. Je regardais le sol en pierre là-bas. Il était beaucoup trop loin pour sauter. Excusez-moi. J'avais ce drôle de nœud dans l'estomac, une douleur que j'associais habituellement à l'opéra comique. C'était Karn. Il y a un problème ? Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques minutes ? Non, quoi ? Un homme a été victime d'un terrible accident. Je n'ai rien vu du tout. Et le garçon ? Il n'a rien vu non plus. Et puis le gosse, vous savez, dans ces communautés rurales, pas assez de renouvellement génétique. Je priais pour que McGear puisse tenir sa langue. La victime est gravement atteinte ? On s'occupe de son cas, mais on pense qu'il a laissé tomber un petit paquet. Vous ne l'auriez pas trouvé par hasard ? Si c'était le cas, je l'aurais remis à la police. Bien sûr. Merci. Je remarquai alors une lumière scintillante derrière la trappe ouverte. C'était le joyau de Pegram, une grosse pierre bleue qui n'avait pas été taillée. En l'examinant, je compris la fascination qu'elle pouvait exercer. Je me demandais si elle m'avait déjà envoûté. Vous l'avez trouvé ? Quoi ? Je ne sais pas ce que vous cherchez. Oui, écoute, McGear, tu peux garder un secret ? No problemo. Refile-moi juste une bière. Pas question, tu es trop jeune. On pourrait la vendre et se faire du blé. Laisse tomber, petit. Je ne peux pas faire ça à Mr. Leary. Moi si. Ce vieux grincheux le mérite bien. Si tu veux m'aider, continue à regarder si tu vois le type en costume. D'accord, mais ça vous coûtera un paquet de chips. Écris fort si tu vois la Ferrari. La meule de foin était plus basse que le mur. Même en me mettant sur la pointe des pieds, le mur était trop haut. J'aurais voulu être comme Alice au Pays des Merveilles. J'insérai le bout de la barre en métal dans la fissure et je poussai fortement. Elle dépassait du mur en formant une espèce de marche.